Voilà, j'ai ressorti quelques vinyles de ma collection parce que tout à l'heure, Jacques Hiraud, le batteur du Pacha, va nous donner quelques indications sur un de ses enregistrements. Alors Miles Davis, bon, mais ça c'était d'octobre 1963, Kind of Blue, Sketches of Spain, c'était de février 63, mon acquisition. Voilà, Jacques Hiraud va nous parler de Someday My Prince Will Come, où figure John Coltrane. Avril 64, février 64, un chef-d'œuvre, les ballades par John Coltrane, mai 64, Coltrane joue le blues, mai 64, et là un petit trésor, là c'était un cadeau de Jazz Magazine, qui n'envoyait que le disque avec une petite pochette. C'est pour ça qu'on y trouve les annotations. Et ça a été mis dans une vieille couverture retrouvée sur les puces. Voilà, un disque La Voix de son maître ou Violets for Your First est une jolie pièce, un bel enregistrement. D'Ornette Coleman, et puis vous m'avez fait voir ces deux vinyles. Non, parce que là, il y a une petite histoire. Vous voyez, c'est avec John Coltrane. Alors, John Coltrane ne connaissait pas le morceau. Un jour, mon prince viendra. Il ne connaissait pas le morceau. Alors, en 30 secondes, il s'est mis, Hank Mobley, lui, connaissait très bien, Milton Keynes aussi, Paul Chamber, Jimmy Cobb, mais pas Coltrane. Et Coltrane, en deux minutes, voilà. Alors, il a fait un solo dedans qui détonne un peu, mais c'est un solo extraordinaire de Coltrane. Extraordinaire de Coltrane. Peut-être un de ses meilleurs solos, parce qu'il ne connaissait pas le morceau. Donc, il a fait un peu... On peut pas dire, parce que Coltrane n'a jamais fait n'importe quoi, mais il était gêné. Et comme il était gêné, il a fait des choses que s'il avait connu le morceau, il n'aurait pas fait. Et ça fait que c'est un des morceaux de Coltrane tout à fait extraordinaire. C'est pour ça qu'ils ont marqué avec John Coltrane. Alors que le ténor, de base, c'était Hank Mobley.
Ce voilà. qui prouve l'intelligence et la faculté d'adaptation de ce musicien, ah bah, voilà, musicien qui est remarquable. C'est avec Ornel Coleman, on peut dire que ça a été les deux gars de la dernière génération des grands musiciens de jazz. Là. Voilà, bon, à mon avis, c'est ça. Alors Ornette n'est plus là, Coltrane n'est plus là. Maintenant, il y en aura d'autres, mais... Et il y a eu Rollins. Il y a Rollins. Il est encore là. Oui, il est encore là, c'est vrai. Il est encore là. Oui. Le petit problème de Rollins, c'est que... il s'entoure souvent de musiciens... je vais pas dire médiocres, parce que je serais prétentieux de dire ça, étant moi-même... dans la partie, mais il s'entoure souvent pour pas les payer très cher, alors qu'il se fait payer lui très cher. Il s'entoure de musiciens assez moyens. C'est un peu dommage. C'est peut-être une façon aussi d'avoir la domination, la mainmise sur le groupe. Ouais. Oui, peut-être. Mais peu. Il a toujours fait ça. Et c'est un type absolument incroyable. Pour moi, son meilleur disque, ça a été le disque qu'il a fait en trio avec Elvin Jones et Wilbur Ware, où il joue Sunny Moon for Two au village Vanguard. Ça, c'est exceptionnel. Et sur l'autre face, il joue avec Pete LaRocca, et pas avec Elvin, avec Pete LaRocca, et c'est... C'est grandiose aussi. Et Johanna Kin Tunisia, tout à fait extraordinaire. Et avec Jim Hall dans The Bridge aussi. Ah là là. Il y a des morceaux. Jim Hall. Ouais. Jim Hall, c'est. ouais. Ah voilà, bon, c'est une petite histoire là. Le titre me revient, c'est. I've grown accustomed to you. Tout à fait. En trio, magnifique. Jim Hall était vraiment un guitariste incroyable. Une sensibilité. Enfin voilà. Non, mais je voulais vous montrer ça. C'est bien. Ce disque dommage parce que il y avait l'histoire de Coltrane, quoi. Qui est vraiment arrivé, c'est vraiment vrai, hein. Qui est vraiment arrivé comme un cheveu sur la soupe. Quoi. Et alors il a fait un solo pas ordinaire. Voilà. Je vais le réécouter en arrivant chez moi. Et vous verrez que c'est très étrange la manière dont il joue. Parce qu'il ne connaissait pas le morceau. Voilà, c'est l'histoire de ce disque. Merci Jackie. Je voulais vous montrer en passant.